Hello. My name is Stephen Hawking. Physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. Bonjour, c'est Sophia des Nouvelles de France. Je vous présente un reportage à propos de Stephen Hawking, à propos des mystères d'univers. Je veux couvrir le sujet de quand c'est du temps dans Hawking Mode et les détails de Big Bang. Aujourd'hui, on est sponsorisé par SMC, la Société mathématique canadienne. En première, professeur Zainulina d'Université d'Ottawa va vous présenter l'information à propos de Stephen Hawking. Bonjour Sophia, merci pour avoir moi ici. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui professeur, on peut vous comprendre parfaitement. Ok parfait, donc je suis professeur Zainulina d'Université d'Ottawa et je vais un peu raconter l'histoire du Hawking à propos des concepts du temps et ce que les gens pensent, mais ils pensent autrement. Donc, au fil des siècles, les gens ont cru un temps absolu. Pendant les années, les idées qu'il y avait un temps absolu unique a commencé à se développer en raison de la découverte que la vitesse de la lumière semblait la même à chaque observateur. Donc, le temps imaginaire a ensuite été introduit. L'on a essayé d'unifier la gravité avec la mécanique quantique. Ces types de temps n'a aucune importance sur le sens de l'orientation, c'est-à-dire avant et arrière, tous les deux sont les mêmes concepts. Donc, en comparaison, le temps réel a une compréhension spécifique de la direction, la flèche du temps, quelque chose qui distingue le passé du futur, donnant une direction au temps. Donc, le livre de Hawking, Une brève histoire du temps, explique ses conclusions sur cette idée conceptuelle de la direction dans le temps. Il déclare Il doit avoir trois flèches de temps différents. Donc, la première est « il y a que nous ressentons au fil du temps ». Ceci est défini comme la flèche psychologique du temps. La deuxième est la flèche qui montre dans quel désordre et entropie augmente, s'appelle la flèche thermodynamique du temps. Et la troisième, nous découvrions la direction du temps dans laquelle l'univers se dilate par la flèche cosmologique du temps. Donc, ceci sont les trois flèches. Est-ce que vous avez des questions? Je crois pas, on a des questions, vous pouvez continuer. Ok, parfait, je vais continuer. Donc, ce que Hawking a dit est que la condition sans limite pour l'univers associée au principe entropique faible peut expliquer pourquoi les trois flèches pointent dans la même direction. Et pourquoi une flèche du temps bien définie devra exister. Il dit qu'il soutiendra que la flèche thermodynamique détermine la flèche psychologique et les lois de la science ne font pas de distinction entre les sens avant et arrière du temps. Donc, cependant, nous savons qu'en raison des lois de la thermodynamique, la direction du temps indiquera où le désordre augmente. Par exemple, un désordre est la création d'énergie ou la rupture d'un objet. L'énergie ne peut pas être mise dans son état d'origine. Et la même chose avec l'objet, c'est qu'on appelle un problème. Hawking a ensuite prouvé que car le désordre augmente à mesure que nous nous propulsons vers l'avant, la flèche psychologique du temps pointe également dans la même direction. Et puis on va un peu parler à propos de l'explosion du Big Bang et ses théories de Friedman et Stephen Hawking un peu ce qu'il a dit. Donc les inapprobables théories découvertes sur notre univers et la compréhension du sens de la direction du temps et des trous noirs ne sont que le début. Et Hawking a principalement étudié les trous noirs et leurs propriétés, mais il était intéressé par les idées d'autres scientifiques pour comprendre l'univers en expansion. Friedman est un physicien célèbre qui a décrit la relation entre le temps et le Big Bang. Il montre à travers la modélisation de trois graphiques qu'il existe trois solutions pour l'expansion de notre univers. Le premier cas présente que les galaxies voisines changent avec le temps.
Il commence à zéro, augmente jusqu'à maximum, puis redescend à zéro. Et la deuxième solution propose que l'univers se développe si rapidement que l'attraction gravitationnelle ne peut jamais arrêter, et bien qu'elle ralentisse un peu. Enfin, la dernière modélise l'univers en expansion drastique pour éviter le rappel. Hawking se pose alors une question. Quel modèle de Friedman décrit notre univers? L'univers cessera-t-il finalement et de s'entendre et commencera à se contracter ou s'entendra-t-il pour toujours? Après la publication de Friedman, l'inspiration de Hawking et Penrose, une autre scientiste, a augmenté et a créé un article qui a prouvé la singularité des Big Bang, limitant le fait que la théorie générale de la relativité doit être correctée et que l'univers contient autant de matière que nous observons. Beaucoup se sont opposés à leur article. Hawking est convaincu qu'il n'y avait pas de singularité au début de l'univers. Il peut disparaître une fois que les effets quantiques sont pris en compte. Au fil des années, il s'est rendu compte que ces affirmations ne pouvaient être considérées que partiellement puisque la théorie de relativité ignore les effets petite échelle de mécanique quantique. Ça c'est son, un peu ce qu'il a dit à propos du Big Bang. C'est intéressant que Friedman a fait toutes ces découvertes et je vais poster les graphiques ci-dessus. Merci pour avoir moi ici, Sophia. Oui, et bonne journée. Oui, merci beaucoup, professeur. C'était vraiment intéressant, le concept du temps et ce que Stephen Hawking pense à propos de l'expansion du Big Bang. Je crois qu'on avait étudié beaucoup et je veux remercier et tout le monde. Merci pour avoir écouté la Nouvelle de France 24. Je vous souhaite une bonne journée.